Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Alors Manu Lévy, c'est moi. On vous retrouve ça réveille, hein. Du lundi au vendredi. C'est rare qu'on m'appelle comme ça dans la vie. De 6h à 9h30. Mais sinon, les autres, non. 6h, 9h30 sur Énergie dans Manu, dans le 6-9, hein, la matinale de la station. C'est vrai qu'à vos côtés, on a Laure, Nico du Web, Paulette, Glandu. Mmh. Et vous réveillez tous les matins les Français. C'est vrai que quelle serait la principale force de cette matinale? Beaucoup de bonne humeur déjà. Hein. Déjà, c'est qu'on arrive à l'heure. Oui. Ce qui est quand même dur pour une matinale. Ce qui est pas évident. Que le lever doit être. Puis nous, quand on n'arrive pas à l'heure au boulot, tu viens, ça se remarque tout de suite. C'est ça le problème. C'est le vrai souci de notre boulot, c'est ça le problème. On peut pas avoir les deux minutes même. Hein, c'est puis, non, c'est. J'aime bien dire que c'est une grande discussion de nos vies pendant 3h30. C'est une bonne psychothérapie gratuite pour nous. Pour une matinale sérieuse, on démarre souvent à 3-4 heures du matin pour prendre toutes les infos, décider des reportages, etc. Mmh. Pour une matinale détente, entre guillemets, c'est aussi le même travail ou c'est fait déjà la veille? On arrive à 2. Ah ouais, moins 2, pardon, moins 2. 2 minutes avant le. on bosse. Alors, en fait, il y a plein de. Sur toutes les matinales, tout le monde bosse un peu différemment. Il y en a qui se lèvent très tôt le matin. Nous, on travaille la journée la veille. Et on arrive une demi-heure avant l'émission le matin et pour s'apercevoir que tout ce qu'on a fait la veille, évidemment, ne fonctionne plus le jour même. Oui, la structure, en fait, de l'émission. Voilà, on pense à la structure. Exactement. Et puis après, on. Après, mais les meilleures émissions, souvent, ce sont les plus préparées. Non mais c'est celles qui sont le plus préparées et on ne fera rien de ce qui était préparé. Ouais, t'as un truc de feu sacré des fois, je sais pas pourquoi, et faut en profiter. Ouais, exactement. Et c'est vrai que vous proposez aussi aux auditeurs tous les matins de doubler leur salaire. Et vient comment cette idée? Parce que alors c'est une, ça dépend si tu l'aimes bien, je te dis que c'est moi. Si tu l'aimes pas, je te dis que c'est quelqu'un d'autre. Ah bah si je m'inscris, l'idée est quand même bonne. Si je m'inscris que je suis choisi et qu'on double mon salaire, je la trouve bonne. C'est l'idée de Morgan qui est le directeur des programmes d'énergie. D'accord. Et quand j'étais arrivé, on cherchait quelque chose de fort. Qui pourrait rester dans la tête des gens. Il m'a dit si on doublait le salaire des gens. Et là je lui ai dit tu connais la direction d'énergie, tu sais que... Et il a accepté. Ils doivent pas le savoir qu'on le fait tous les matins. Mais comment ça marche ce principe? Je me demandais souvent par exemple si on gagne 8 000 euros. Et si c'est un chômeur qui gagne? Alors le chômeur n'ayant pas de salaire, du coup ça ne fonctionne pas. Bah, et vraiment... il faut avoir un salaire. Ouais. Il faut avoir je crois qu'il y a une limite à 2000 euros net. D'accord, c'est ça que je me demandais s'il y avait un montant. Vous n'avez pas lu le règlement, bravo. Vous savez qu'il y a un service juridique à énergie qui est plutôt grassement payé pour faire des choses que personne ne lit. C'est la fameuse CGV. Vous savez, quand vous conditions générales devant. J'accepte et j'ai lu toutes les. Ça se trouve, ils mettent n'importe quoi dans les conditions générales. Ah oui, c'est sûr. Et blablabla. Comme dans n'importe quel contrat d'ailleurs, qu'on lit jamais avec les petites lignes. Évidemment. Hein. Et ben voilà. Et pour l'année prochaine, c'est déjà re-signé? C'est déjà, oui, j'avais signé pour 2 ans. Donc deux ans. Donc du coup, l'année prochaine, je suis toujours sur Énergie le matin. Et on pense déjà à des nouveautés dans l'émission, des choses qui vont arriver On pense déjà à certaines nouveautés, à certaines choses. Là, on a injecté beaucoup de nouveautés là cette année. On va voir comment ça évolue, comment ça change. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est garder l'ADN de notre émission qui est discuter de la vie, des sujets, des gros sujets de société. Je prends toujours l'exemple pour Geoffroy, par exemple, c'est est-ce que quand on met une fourchette dans le lave-vaisselle, est-ce qu'on la met tête en haut, tête en bas? Voilà, on fait des émissions entières là-dessus. Ah, je vais l'écouter alors. Non, mais voilà, c'est l'ADN de l'émission de parler de la vie, en fait. Et j'ai complètement oublié ta question, en fait, au départ. Je sais plus non plus. Ah, pour l'année prochaine. Je rigole. Non, de garder ça et puis de rafraîchir avec des choses nouvelles qui nous font marrer. Avec la même équipe? Avec la même équipe. Ouais, c'est toujours, toujours fixé. Ouais. D'accord. T'essayes de t'incruster? Non, pas du tout. Tu me dis, hein, je peux virer qui tu veux, tu me dis, c'est pas le problème. Bah, y en a un qui s'appelle Nico, en plus. Oui. Ah, bah voilà. Effectivement, il n'y aura pas deux places pour. Il n'y aura pas de place pour Nico. Nicoco. On va régler ça au défi. Chacun un pistolet, vous tirez dessus, c'est celui qui tue l'autre, garde la place. Hein. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.